n'ai point besoin de rappeler que nous venons de loin. La Guinée, après l'adoption de son code minier en 2011 et amendé en 2013, a permis à notre pays d'attirer des investissements directs étrangers, surtout dans le secteur minier. Depuis 2011, la Guinée connaît une pléthore de projets miniers dont la plupart sont aujourd'hui en phase de production ou en finalisation de la phase de construction. Tout ceci s'est traduit par une forte augmentation de la production de la bauxite, qui est passée de 14 millions de tonnes en 2010 à 60 millions de tonnes en 2018. La Guinée affiche d'ores et déjà son ambition de devenir le premier producteur mondial de bauxite dans les prochaines années à venir. La production d'or, quant à elle, elle est passée de 254 000 à 473 000 entre 2010 et 2018. Avec la finalisation de la phase d'extraction de la SAG, le plan d'investissement de SMD et le nouveau projet en gestation, tout porte à croire qu'il y a un regain de vitalité du secteur aurifère en Guinée. Excellences, Monsieur le Président, tout ceci a été rendu possible par les réformes juridiques, mais surtout au leadership du département des mines qui ont su traduire et mettre en œuvre la vision de la politique minière. Il ne peut y avoir de développement sans une bonne gouvernance. Depuis 2011, les réformes dans le secteur minier ont conduit principalement à une meilleure gouvernance dans ce secteur, ce qui a eu pour conséquence une plus grande transparence et une confiance des investisseurs dans le secteur. Nous avons été victimes dans le passé, à un moment donné, sur les questions de corruption dans le secteur minier. Tout ceci est derrière nous maintenant. C'est le lieu de féliciter et encourager le ministre des Mines et son équipe pour le travail qui a été fait dans ce domaine avec l'appui des partenaires institutionnels, AFC, BAD et la Banque mondiale. Grâce à cette confiance renouvelée, la Guinée a attiré plus de 5 milliards de dollars d'investissement direct depuis 2014. Certains types de financements ont été faits, ce qui dénote la confiance des investisseurs dans le pays et ouvre le chemin à d'autres investissements de ce genre. La bonne gouvernance, mesdames et messieurs, ne doit pas être un simple mot. Il doit être un comportement, un devoir moral, si nous voulons continuer à prospérer dans le secteur minier. En tant qu'acteurs miniers, nous devons nous montrer exemplaires, car s'il y a corrompu, c'est qu'il y a corrupteur. La Chambre des mines continuera à œuvrer à côté du gouvernement sur les meilleures pratiques en matière de transparence et de bonne gouvernance dans le secteur minier. Mesdames et messieurs, au-delà des performances qui ont été observées dans le secteur minier ces dernières années, nous devons continuer à innover davantage et à être beaucoup plus attractifs pour attirer plus d'investissements, source de croissance économique. Pour cela, le développement des infrastructures demeure à mes yeux un enjeu crucial pour le développement économique de la Guinée et la consolidation du boom minier. Je me réjouis que ce sujet fasse l'objet du panel d'introduction et le thème de ce symposium. Être un pays minier de rang mondial dont la Guinée aspire passe forcément par le développement des infrastructures. Les infrastructures en soi réduisent le coût d'investissement et améliorent la compétitivité des entreprises. La Guinée doit se donner les moyens de se doter des infrastructures indispensables à son développement. Toutefois, nous devons le faire de manière intelligente. La Guinée a expérimenté dans un passé récent la mutualisation des infrastructures. Le chemin de fer dans la région de Boké avec trois sociétés existantes. La CBG, GAC et COBAT, qu'on appelle communément le multi-utilisateur. C'est une innovation dans le développement des mines en Guinée. Je tiens ici à féliciter, Monsieur le Président, et toute la direction de la CBG qui ne ménage aucun effort pour la réussite de ce multi-utilisateur. Merci M. Traoré pour ça. J'encourage les sociétés minières et le gouvernement à créer une fiscalité plus attractive afin d'amplifier ce modèle. Toutefois, toutes ces infrastructures ne devront pas servir uniquement au secteur minier. La Guinée doit profiter de manière intelligente à ces infrastructures pour développer d'autres secteurs de l'économie nationale
et en particulier l'agriculture et l'agro-industrie. La Guinée est souvent citée pour sa pluviométrie et l'étendue du secteur cultivable. Je reste convaincu que les mines peuvent permettre à la Guinée, à travers les infrastructures de transport ferroviaire et portuaire, de faire de la Guinée un pays exportateur de premier rang des produits agricoles et manufacturiers. Mesdames et messieurs, en dépit des performances du secteur minier, le succès minier nous interpelle aussi sur nos obligations envers toutes les parties prenantes. La question du contenu local doit être abordée sans tabou entre les acteurs, car il ne peut y avoir de développement durable sans un contenu local viable. Beaucoup d'efforts ont été faits à ce jour avec le diagnostic effectué en 2017 avec le rapport Kaiser et la mise en place en 2019 de l'embauche de sous-traitance et de partenariat. Nous avançons dans la bonne direction, mais lentement. La problématique du contenu local doit être liée au financement des entreprises. Je compte sur mon ami et frère, le président de l'association professionnelle des banques, qui est en même temps le président de la bourse de sous-traitance, afin de booster les banques à s'impliquer davantage dans le financement des entreprises locales. L'État doit aussi mieux outiller les entreprises à travers une plus grande information sur les diverses lignes de crédit existantes. Il ne peut y avoir de développement sans l'adhésion des communautés locales au projet minier. C'est pourquoi je félicite le gouvernement pour l'opérationnalisation du FODEL et la mise à disposition dans la loi des finances 2019 de 15% des taxes minières à l'ANAFIC pour le développement de nos collectivités. En ce qui concerne la Chambre des mines de Guinée, la responsabilité sociétale des entreprises est un concept dans lequel les entreprises minières intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leur interaction avec les parties prenantes sur une base volontaire. Nous percevons donc cette responsabilité comme la contribution de nos entreprises aux enjeux de développement durable en Guinée. Par ailleurs, nous ne ménageons aucun effort pour mener à bien le projet de réalisation d'opportunités d'affaires et d'emploi pour les PME et les populations locales dans le secteur minier, comme le préconise la politique de contenu local. Une autre contribution, j'en suis convaincu, permettra entre autres d'atteindre les objectifs du PNDS. Enfin, je me réjouis, Monsieur le Président, de la décision du gouvernement de procéder au remboursement des crédits de TVA, des miniers. Il y a de cela quelques semaines, nous avons tenu ici, au Sheraton, la rencontre entre le secteur privé et le secteur public au cours de la Journée internationale des douanes. Vous avez bien voulu, Monsieur le Président, nous écouter, nos doléances et œuvrer en vue de l'amélioration du climat des affaires en Guinée et en particulier l'affermissement de la facilité de circulation des biens et des services. Excellence, Monsieur le Président, toutes ces actions montrent une réelle volonté de la part de toutes les parties prenantes à aller de l'avant et à pérenniser le développement minier. Les perspectives sont bonnes pour l'économie nationale, pour le secteur minier en particulier dans les années à venir. Je remercie tous ceux qui ont parié sur la Guinée en investissant et j'encourage les autres à nous rejoindre, car si nous sommes toujours là, c'est parce que les conditions d'investissement sont favorables. Je ne saurais conclure sans adresser mes chaleureuses félicitations aux organisateurs de ce symposium pour l'excellente initiative prise de réunir toutes les parties prenantes sur les thèmes de réflexion aussi riche que pertinente, mais aussi remercier toutes les compagnies minières qui ont bien voulu faire de ce symposium un événement majeur pour la promotion du développement minier en Guinée. Sur ce, je vous souhaite un excellent symposium. Merci, M. Ndiaye. À présent, les représentants des sponsors de la transformation industrielle. Le consortium SMB Winning, dont la SMB est le bras opérationnel sur le terrain dans la région de Bokeh, partage cette vision d'une création de valeur à long terme avec des projets ambitieux. Cela concerne la transformation de la bauxite en alumine, mais aussi la construction des infrastructures. Notre groupe va consacrer 3 milliards de dollars dans les prochaines années pour développer une ligne de chemin de fer et une raffinerie d'alumine. Cet investissement vient s'ajouter au milliard de dollars qui a déjà été investi pour la construction des terminaux portuaires de Dapilon et Katougouma. Et tous ces investissements s'accompagnent d'une politique d'inclusion économique et de partage de la valeur avec les populations impactées par nos projets.
Nous avons également pour ambition de faire de notre projet un catalyseur pour le développement inclusif de l'agro-industrie et de l'agriculture par la mise en œuvre d'un corridor de croissance économique le long de notre ligne de chemin de fer. Déjà, des projets agricoles ont vu le jour grâce à l'implication de nos équipes auprès des populations locales. Nous aurons l'occasion de revenir sur tous ces thèmes durant les trois journées du symposium. Cela promet des échanges et des débats passionnants, avec comme horizon partagé le développement de l'industrie minière guinéenne, dans le respect et au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes, au premier lieu desquelles la population guinéenne. À toutes et tous, au nom du consortium de Sébouni, permettez-moi donc de vous souhaiter un agréable séjour de travail sur notre terre de Guinée pour la 6e édition de ce symposium. Je vous remercie. Parmi ces défis en Guinée, nous pouvons citer aujourd'hui la mutualisation des infrastructures, la gestion des impacts économiques, sociaux et environnementaux de nos activités ou encore la transformation locale des produits miniers. Afin de répondre à ces défis, le gouvernement a entrepris de profondes réformes dans le secteur minier guinéen qui ont abouti à une optimisation du cadre d'investissement dont les résultats ne se sont pas fait attendre. Pour exemple, avant même la fin des travaux d'augmentation de capacité du chemin de fer de Boké, la mutualisation de ces infrastructures ferroviaires est une réalité à date. Avec la CBG depuis 1973, la COBAD depuis un an et GAC depuis quelques semaines, y transportant leurs wagons de bauxite tractés par les locomotives opérées par la CBG, opérateur du chemin de fer. Le conseil d'administration de la CBG a par ailleurs décidé de la reprise des études de préfaisabilité pour la construction d'une raffinerie d'aluminium. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, pour obtenir une croissance inclusive, soutenable, durable, profitant à tous, il ne faut pas se contenter de produire et de produire plus, nous devons surtout produire mieux. Nous devons inclure dans notre façon de conduire nos affaires le développement communautaire et la protection de l'environnement et de la biodiversité. Soutenir le développement et l'autonomisation des communautés voisines à nos activités. Favoriser le contenu local et préserver l'environnement et la biodiversité guinéenne ne doivent pas être des effets de mode. Ces actions doivent être ancrées dans nos cultures d'entreprise et intégrées dans nos systèmes de management. À la CBG, nous avons la ferme conviction qu'avec un agir ensemble de toutes les parties prenantes, chacune jouant pleinement le rôle qui lui est dévolu, respectant les engagements auxquels elle a souscrit, et ce dans un cadre réglementaire approprié et adapté, le développement des mines peut répondre au mieux aux attentes des parties prenantes, dont les investisseurs, les actionnaires, l'État et les communautés. Avant de clore cette allocution, permettez-moi de remercier d'ores et déjà le ministère des Mines et toutes les parties prenantes à l'organisation du Symposium des Mines Guinée 2019 pour la tenue de cette rencontre importante. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. J'ai l'insigne honneur de prendre la parole du haut de cette tribune au nom de la Société Guinéenne Mine Corporation GAC pour exprimer toute la joie et l'immense plaisir que nous avons de participer et de sponsoriser cette 6e édition du symposium sur les mines en Guinée. L'année 2019 marquera pour notre société et ses employés la fin du projet de GAC et le début de GAC en tant que société minière, productrice et exportatrice de bauxite. Avec près de 93% de la construction de nos installations complétées, bientôt GAC ne sera plus un projet, mais une réalité. Cette année, GAC commencera ses activités d'exploitation, de commercialisation et d'exportation. En tant que directrice générale de GAC, et surtout en tant que Guinéenne, il me tarde, Votre Excellence, Monsieur le Président, de dire « Nous avons livré ce que nous avons promis à la Guinée. » Fondamentalement,
tout ce que nous faisons à GAC contribue à faire de la Guinée une terre prospère. Grâce à nos activités commerciales, nous pourrons créer de la richesse, soutenir la croissance et de contribuer de manière durable au développement socio-économique des communautés locales de la Guinée. Concrètement, notre soutien aux communautés locales s'établit comme suit. Les investissements dans la formation, l'éducation, l'alphabétisation des jeunes et des femmes, les investissements en infrastructures scolaires, les investissements dans les programmes pour accroître l'employabilité des jeunes et des femmes, favoriser le contenu local, le transfert de compétences, mais surtout de connaissances, l'importation et l'utilisation de technologies de pointe pour le développement de capacités locales, la formation et le développement de nos employés, la mise en œuvre de pratiques de classe mondiale. Notre volonté est claire. Pour maximiser les retombées pour la Guinée, nous allons nationaliser les emplois, la guinéanisation. Dès aujourd'hui, des postes très stratégiques sont occupés par des compatriotes guinéens très compétents et nous en sommes très fiers. Au niveau des cadres de GAC, nous dépassons largement les exigences du code minier guinéen. Excellences, Monsieur le Président, au nom de nos actionnaires, de nos employés, je tiens à vous remercier à travers vous, le Premier ministre et son gouvernement, pour votre soutien indéfectible. Vous nous aidez à aider la Guinée pour en faire une terre prospère, tournée vers le futur. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Merci Madame Diallo. Mesdames et Messieurs, enfin, Monsieur le Président de la République, votre présence à cette cérémonie de lancement de la 6e édition du Symposium Mines Guinée, malgré votre calendrier particulièrement chargé, est le témoignage éloquent de toute l'attention que vous portez au partenariat avec les investisseurs, financiers, prestataires et équipementiers qui ont répondu à l'appel de la Guinée. Cette présence et également la preuve de votre volonté maintes fois affirmée d'ouvrir notre pays aux investisseurs du monde entier pour la réalisation de projets dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Monsieur le Président de la République, cette 6e édition confirme bien que le symposium Mines Guinée demeure le plus grand événement minier de la sous-région avec plus de 630 délégués officiels venus d'une quarantaine de pays de tous les continents, parmi lesquels on note la présence de représentants de pays amis, de sociétés minières, de fournisseurs de biens et services, de la finance internationale, de prospecteurs, de cabinets de conseil et de bureaux d'études, de partenaires techniques et financiers, d'universitaires, etc. Je signale également la présence notable d'entreprises et des organisations patronales locales. Mesdames et Messieurs, le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a, dès son élection en 2010, immédiatement engagé d'importantes réformes dans le secteur minier. Pendant que l'État opérait la stabilisation de l'économie, l'amélioration du cadre global d'investissement et la réforme des secteurs de défense et de sécurité, la Guinée a également engagé des réformes courageuses du secteur minier. L'adoption d'un nouveau code minier a défini dès 2011 un nouveau cadre légal qui a été amélioré en 2013. L'assainissement du cadastre et sa modernisation par la suite ont permis à la Guinée d'introduire plus de transparence dans la gestion des droits miniers avec un cadastre actuellement accessible en ligne. Cette transparence a aussi été reconnue à travers la mise en conformité de la Guinée avec l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en 2014. Ces réformes se sont accélérées au fil des années, malgré l'épidémie d'Ebola, pour créer un cadre de plus en plus propice aux investissements.
les efforts consentis dans le cadre de la nouvelle politique minière portée par le professeur Alpha Condé ont permis d'attirer deux fois plus d'investissements et créer trois fois plus d'emplois dans le secteur minier pendant les 8 dernières années. Le secteur minier guinéen a donc connu, en moins d'une décennie, des progrès indéniables, même si d'importants défis demeurent à relever, notamment dans la consolidation des acquis des réformes, la transformation locale des produits miniers et la gestion des impacts environnementaux, sociaux et économiques. Les orientations précises du chef de l'État et les directives du Premier ministre du gouvernement nous commandent l'accélération de la gestion de ces impacts pour assurer un développement intégré, harmonieux et responsable des ressources minérales. Mesdames et messieurs, cette 6e édition du symposium Mine-Guinée qui nous réunit aujourd'hui est l'occasion de présenter aux participants les résultats des travaux de recherche entreprises dans le cadre de la politique de diversification de l'activité minière en Guinée. En effet, en plus de la bauxite, de l'or et du fer, la Guinée regorge de bien d'autres substances devant être promues et valorisées. Au-delà de son caractère promotionnel, ce symposium est aussi l'occasion pour la Guinée d'attirer des partenaires qui s'inscrivent dans la vision d'un développement minier responsable porté par le chef de l'État. Cette vision porte sur la création d'un cadre de développement mutuellement avantageux et durable entre les différentes parties prenantes du secteur minier, notamment par la préservation de l'environnement, le développement communautaire, la promotion du contenu local, la mutualisation des infrastructures et l'établissement du lien domestique entre le secteur minier et les autres secteurs de l'économie nationale. La mise en œuvre de cette vision dans le secteur minier guinéen est en cours d'évaluation, en prélude à la 2e édition de la table ronde pour un développement minier responsable, initiée depuis 2014 avec la participation de toutes les parties prenantes du secteur. Mesdames et messieurs, en plus de servir de cadre pour la mise en évidence des opportunités d'investissement, ce symposium est aussi l'occasion de la présentation des grandes orientations stratégiques et des réformes entreprises par le gouvernement dans tous les secteurs de développement socio-économique. C'est aussi l'occasion d'apprendre des autres et d'échanger sur la gestion du secteur minier dans un monde concurrentiel en perpétuelle mutation. Chers participants, le thème central de cette 6e édition du symposium est Synergie mine-infrastructure, un enjeu pour un développement intégré et durable de la Guinée. Cet enjeu se rapporte notamment à la rationalisation des investissements et des opérations minières, à la protection de l'environnement, et l'intégration économique du secteur minier, notamment avec la nouvelle zone économique spéciale. C'est dans ce cadre qu'un schéma directeur des infrastructures auxiliaires aux mines a été élaboré en 2014 et récemment mis à jour. Trois jours durant, d'éminents spécialistes et des personnalités se relayeront dans les sessions aussi diverses que pertinentes pour la promotion d'un dialogue participatif et d'un partenariat mutuellement avantageux entre différents acteurs. Aussi, les expositions dans près d'une centaine de stands permettront aux visiteurs de prendre connaissance des opportunités offertes par différents participants. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant de terminer mon allocution, de remercier très sincèrement les membres du comité d'organisation et notre partenaire Amtrade. J'exprime également notre reconnaissance à tous les sponsors dont le soutien a permis la tenue de ce symposium. Enfin, nous souhaitons que cette visite en Guinée soit, pour la majorité d'entre vous, la première d'une longue série qui aboutira à des projets concrets au bénéfice des populations guinéennes. Au-delà du cadre d'investissement en constante amélioration, vous trouverez ici un leadership éclairé au plus haut niveau de l'État, des populations hospitalières,
et des opportunités au-delà des mines, notamment dans l'agriculture, l'énergie, les transports, les travaux publics, la construction de l'immobilier et les technologies de l'information et de la communication. Je vous remercie. Déjà qui venait prendre des licences, ils ne savaient même pas où se trouvait la mine. Et pendant ce temps, ils avaient négocié en bourse. D'autres aussi, mettant en jachère une mine très riche, on pourrait exploiter chez eux des mines moins riches. Tout cela, nous avons connu. Mais il était extrêmement important de sortir la Guinée de cette situation. On pourrait se demander pourquoi la Guinée a fait la moitié des réserves mondiales de bauxite. En 2013, on ne produisait que 13 millions de tonnes. Et les revenus, même pas 200 millions, et à l'époque du contenu local. C'est pourquoi nous avons fait un peu de minier en nous entourant de tous les spécialistes qui pouvaient nous aider. Notre politique, si notre politique globale est la transformation de notre première agricole et minière en produit fini, pour le moment, notre politique minière vise trois objectifs. Premièrement, créer les conditions les plus favorables pour que les sociétés minières puissent s'épanouir totalement dans cette libre concurrence, c'est-à-dire pas dans cette position de monopole. Deuxièmement, que la Guinée puisse tirer le maximum de ses richesses minières. Troisièmement, améliorer considérablement les conditions de vie des populations à travers le continent local. Voilà les trois objectifs que nous visons. Les miniers, le ministre, disent qu'on a fait beaucoup de progrès. C'est vrai, il reste encore beaucoup à faire. D'abord, pendant longtemps, nous n'avons pas la connaissance, la maîtrise réelle de ce que nous produisons et de la terre que nous produisons. Parce que nous n'avions pas les cadres qu'il faut et les moyens. Dieu merci aujourd'hui, nous pouvons contrôler les tenants qui sortent. Parce que dans les affaires, tout le monde triche. Donc très souvent, les miniers peuvent exporter 10 000 tonnes et nous dire 5 000. Ou bien exporter le minerai 60% de terre et 40%. Donc, il faut que progressivement, on se donne les moyens pour empêcher cela. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes sur cette voie. Parce que très souvent, le point faible des pays africains, c'est que nous ne maîtrisons pas la technologie qui nous permet de connaître réellement quelles sont nos ressources minières et pétrolières. Donc c'est le partenaire qui décide. Et il peut vous dire, il y a 1 milliard de barils de pétrole, alors qu'il y en a 10. Et c'est un de nos points faibles. Et lorsque nous étions à Londres, où le président Cameron nous avait invité comme modèle de gestion minière, c'est un des problèmes que nous avons posé. Comment les pays africains peuvent avoir la capacité eux-mêmes de pouvoir faire des sondages pour savoir exactement quelles sont les véritables ressources qu'ils ont et qui ne dépendent pas de nos partenaires. Parce que nous sommes dans un système de libre marché où chacun cherche à maximiser le profit. Et très souvent au détriment de nos pays les moins avancés. C'est donc une bataille importante. J'ai décrit aussi deux articles du Code minier, l'article 38 et 50. Ils sont très précis, mais ils ne sont pas respectés par tout le monde. Nous faisons en sorte de respecter le code minier. Tout le monde connaît le code minier. Dans quelques jours, nous allons avoir une rencontre avec les miniers guinéens pour que chacun respecte effectivement le code minier. Nous le respectons, mais les miniers doivent respecter. Et ensuite, nous voulons protéger notre environnement. Nous ne voulons pas nous retrouver comme certains pays où vous pouvez faire toute une journée sans pouvoir laver un décor parce que il y a. C'est pourquoi nous continuons toujours à essayer de nous améliorer.
et de suivre les meilleurs exemples, comme le Botswana ou l'Australie. Chaque fois, nous essayons de voir qu'est-ce qu'ils font pour améliorer, pour que l'environnement soit protégé, que les populations locales soient protégées, que les cultures ne soient pas détruites par la poussière ou par etc. Et aussi, par exemple, dans les sources de l'eau, on n'utilise pas des produits toxiques qui détruisent nos rivières. Donc, la politique minière en Guinée est extrêmement difficile. Moi, je ne peux pas dire que je suis satisfait des réformes. Bien sûr, on en a fait beaucoup, mais il reste beaucoup. Par exemple, nous attendons rapidement que les miniers fassent la contournante à Bokeh, parce que les camions ne doivent pas traverser la ville, ils doivent faire rapidement la contournante. Vous avez fait la mutualisation des chemins de fer. Il faut rapidement aussi faire la mutualisation des routes. Et il est important aussi que dans les routes secondaires, les gens fassent des pavés pour que les camions ne soient pas des poussières qui détruisent l'écriture maraîchère des femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un effort des miniers pour faire des cultures sous serre qui protègent l'homme des cultures maraîchères. Donc, monsieur le ministre, il y a encore beaucoup à faire. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir de ce que nous avons déjà fait. L'acquis, c'est l'acquis. Ce qui est important, c'est ce qu'on a encore acquis. Qu'est-ce que l'on va conquérir? Et là, il reste encore beaucoup. Donc, si nous sommes ouverts, nous sommes prêts à protéger, nous le faisons, nous demandons aux populations de ne pas gêner les miniers, de collaborer avec les miniers. Mais c'est que les miniers aussi, ils ont des intérêts de ces populations. Le contrôle local est très précis. Mais tout le monde ne l'applique pas. Est-ce que le ministre, la Guinée connaît les prix de vente de sa possible? Parce que le Guinée ne respecte pas. Tous les contrats miniers doivent être visés par le ministère des Mines. Combien de miniers respectent ce principe? Vous avez dit c'est la faute de l'État. C'est la faute du ministre des Mines. Parce que c'est lui qui doit faire en sorte que le contrat minier ne soit signé sans qu'il soit visé par le ministère des Mines. C'est la même chose pour l'article 50. Il dit que 15%, quelqu'un qui part des permis de recherche à la concession, non seulement doit céder la moitié, mais doit céder gratuitement 15% à l'État quand c'est le possible, 7% quand c'est l'ennemi. Monsieur le ministre, tous les systèmes n'appliquent pas. Donc, la réunion que nous allons avoir avec les miniers, d'amener tous les miniers à appliquer correctement le code du minier. Car si nous voulons créer les meilleures conditions de cette minière, notre principale tâche, c'est de défendre les intérêts du peuple guinéen. Que ne soit pas un scandale géologique, on se retrouve parmi les pays les plus pauvres. Ces richesses doivent bien sûr profiter à nos partenaires, parce que quand on investit, c'est pour tirer profit. Mais la coopération doit être une coopération gagnant-gagnant. Très, très souvent aussi, on donne une image des fois même de la Guinée. Vous donnez tout à la Chine. Mais je vous fais remarquer que la société américaine exploite aussi depuis 1963, là, comme ça. Nous avons Ruissard et Turgus, qui étaient déjà à Fouya et à Kindia avant mon arrivée, et qui est aujourd'hui à Yanyan. Nous avons Abu Dhabi, en Nouvelle-Zélande, qui est à Saint-Merémy. Nous avons Unifère, société anglaise, qui est à Bofan. Nous avons SMB, société française. Nous avons Ashapura, société indienne. La porte est ouverte à tout le monde. Nous souhaitons que le maximum d'investisseurs viennent investir. Mes chers amis, je ne vais pas laisser la bourse guinéenne sous terre pour faire plaisir à d'autres. Donc, nous travaillons avec ceux qui veulent que nous exploitions la bourse sans état d'âme. Car la chose qui m'équipe, ce n'est pas ce que X ou Y pense à l'extérieur,
Mais quel est l'intérêt du peuple de Guinée? L'intérêt du peuple de Guinée, c'est de développer ses ressources minières. Donc, nous travaillerons avec tout ce qui vient de nos ressources minières, qui vient du planète Mars ou de Saturne, nous allons travailler avec eux. Voilà. Notre politique, nous n'aurons pas de monopole, nous n'aurons pas de chasse gardée. C'est libre confiance, et ça veut dire que nous avons des développements. Mais lorsque nous signons des accords stratégiques, nous faisons en sorte que nous ne commettons pas d'erreurs d'autres pays africains. C'est-à-dire, on vous prête 1 milliard, on vous met 1 000. Non. Vous nous prêtez 1 milliard, ok. Je vous rembourse avec les royalties. Parce que vous pouvez me prêter 1 milliard et la mine que vous avez vaut 2 milliards. Donc, ce n'est pas la mine que je vous donne. C'est l'exploitation de votre mine et les royalties que le mineur va avoir de rembourser. Ça veut dire si à un moment donné, on a remboursé 2 milliards, 100% de l'énergie de la mine nous revient. Ça, la moitié de l'énergie. Mais nous allons continuer, monsieur le ministre, à discuter avec mes amis du Botswana, avec mes amis d'Australie, pour toujours améliorer notre politique minière, notre pratique. Et aussi, éviter les nuisances. Nous avons un débat actuellement. Je souhaiterais que vous fassiez ces débats. Monsieur la mine, qu'est-ce qu'il faut comme centrale? On nous parle de charbon propre. Est-ce que le charbon est réellement propre ou pas? Nous sommes en train de faire ces débats. Avant d'utiliser les miniers à faire des centrales de charbon, qui disent le charbon propre, nous allons envoyer des experts en Chine pour vérifier effectivement, puisqu'on dit qu'il y a une technique qui permet de transformer le charbon et d'éviter les nuisances. Nous allons nous en assurer dans les nitrates, dans les CO2, etc. Concrètement, est-ce que cela disparaît ou pas? Avant qu'on autorise, on fait une centrale charbon. Donc, nous faisons en sorte de nous prémunir de toute action qui demain va nuire à l'environnement en Guinée. Si il est prouvé que cette technique permet d'éliminer les tas et autres, ok, si ça ne permet pas, n'en sortons pas. Si on ne peut pas faire l'alumine avec l'énergie hydraulique, on peut faire ça avec le gaz. Mais il s'agit de savoir, est-ce que le charbon est propre et que si les centrales de charbon va éviter les nuisances qu'on a connues dans beaucoup d'autres pays, dans le cas contraire, on n'acceptera pas d'être forcé à la garde. Mais si ça s'est prouvé, donc c'est un débat. Et nous souhaitons que d'autres spécialistes nous accompagnent dans ce débat. Nous voulons développer nos secteurs miniers. Nous voulons définir la géophysique au 100 millième, nous permettre aujourd'hui d'avoir une vie plus claire des autres ressources que nous avons, ça sera le cobalt, platine, cuivre, etc. Et nous allons avoir la même politique que nous avons pour la bauxite. C'est-à-dire, s'il y a des accords avec les partenaires, nous allons faire la géophysique pour Saint-Étienne et nous partageons les résultats. Mais nous sommes très stricts dans cette politique. Ça sera toujours à l'appel d'offres. Nous avons un cas particulier, par exemple, une société canadienne qui avait une licence à Lola pour l'exportation de graphite. Ils ont enlevé la moitié, sauf que dans cette moitié, il y a le cuivre et le cobalt qui revient à la société commune. Il n'est pas question de négocier avec la société. On fait un appel d'offres ouvert, pas deux sociétés, pas une société, pas des sociétés, mais c'est peut-être dans la société commune. Mais on vient informer tout le monde qu'il y a du cobalt, il y a du cuivre. Qui est intéressé? Parce que quand vous avez rendu la moitié, ça appartient désormais à la Guinée. Vous n'avez aucun droit là-dessus. Et nous ne permettrons pas de combine. Vous devez informer le monde entier qu'à Lola, la honte, le cobalt, la honte de cuivre, qui est intéressé? Car on doit chercher à maximaliser notre profit.
que je vais y aller personnellement. C'est pourquoi, il y a une semaine, j'ai pris un décret pour transférer la tutelle de ce qui m'a mis à la présidence. Car je dois veiller à ce que tout le monde respecte les intérêts du peuple de Guinée. Nous avons fait deux choses dans notre communauté, la transparence et la lutte contre la corruption. La transparence, nous avons publié tous les contrats miniers. N'importe qui peut connaître les contrats miniers de Guinée. On n'a rien à cacher. Et deuxièmement, nous avons annulé 800 000. Et tout le monde sait la bagarre que nous avons amenée concernant Simandou. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une solution heureuse. Tout le monde sait la bagarre que nous avons amenée. Quand il s'agit de défendre les intérêts du peuple de Guinée, je ne le recommande rien, je n'ai pas de temps. Mais nous sommes ouverts à coopérer avec tous nos partenaires, à les créer les meilleures conditions. Lorsque j'étais à Bobby, j'ai dit aux populations, vous devez coopérer avec les miniers. Vous ne devez pas les agresser, vous ne devez pas faire des actes de sabotage. Si les populations du gouvernement doivent respecter les miniers aussi doivent respecter le code minier, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et deuxièmement, toutes les sociétés minières sont sur le même pied d'égalité. Il y a des gens qui pensent que telle société, telle société. Je n'ai aucune préférence. Je travaille avec tous ceux qui respectent le code minier et qui veulent que la Guinée avance. Là, voilà la seule base. Et ceux qui veulent investir, je les soutiens. Mais dans la transparence et le libre marché. Le fleuve, par exemple, n'appartient pas à une personne. Tout le monde maîtrise les barges. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui l'a construit. Vous pouvez dire que votre chemin de fer, vous allez mettre des conditions parce que vous l'avez construit. Mais le fleuve, tous les milieux l'ont trouvé ici. Donc, tout ce qu'ils veulent utiliser les barges, ce fleuve-là, on ne doit le faire. Il n'y a pas de mutualisation, puis ça appartient à la nature. La mutualisation, c'est tout. Il faut que les choses soient très claires. Évidemment, quand une société investit beaucoup pour faire son port, il doit mettre des conditions pour l'exploitation, c'est normal. Aujourd'hui aussi, nous évoluons vers des ports en eau profonde. Parce que on avait des avantages avant par rapport à l'Australie. Le principal marché, c'est la Chine. L'Australie est plus près de la Chine que nous, même si notre port est de meilleure qualité. Mais aujourd'hui, avec cette transformation des grands bateaux, nous avons des bateaux de 100 000, 200 000 tonnes. Nous n'avons plus ce handicap. C'est extrêmement important de façon de pouvoir en eau profonde. Je pense que monsieur le ministre ne vous trompe pas. Nous avons trois projets en pour en eau profonde. Un que nous faisons nous-mêmes, c'est l'Ibami, en agissant avec Africa 50. L'autre que fait TVA, pour un troisième, c'est qui va nous permettre de recevoir des voitures de 100 000 à 200 000 tonnes. Donc, il va casser donc, les avantages que nous avons. Mais nous voulons aussi que ce ne soit pas seulement des sociétés étrangères qui soient permises. Nous voulons qu'il y ait des Guinéens aussi qui soient permises. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux sociétés guinéennes. Car si ces ressources sont pour la Guinée, il faut qu'on ait des Guinéens qui soient capables d'exploiter ces mines. Et ensuite, la coopération sud-sud. Je disais que tout le monde dit que la Chine est le grand marché de la bauxite, de la mine, mais je ne suis pas sûr. En Afrique avant, on faisait des portes en bois. Aujourd'hui, de plus en plus en aluminium. C'est-à-dire que l'Afrique était un grand marché pour l'aluminium. Et j'ai proposé à un pays ami de nous mettre ensemble, ils ont beaucoup de gaz, pour qu'ensemble nous créions une société qui va nous permettre nous-mêmes en tant que pays africain de transformer le bauxite en aluminium et de le vendre en Afrique. Parce que l'Afrique a un grand besoin d'aluminium. C'est une mauvaise vision de penser que l'Afrique n'est pas un grand marché. Mais nous ne voulons pas c'est le même marché de déversoir. Nous voulons être un marché pour nous-mêmes avant d'être un marché pour les autres. Ça veut dire que nous devons transformer les matières premières, le service du marché, et non pas être déversoir et pour lui finir pour nos banques. C'est là extrêmement important. Donc je ne vais pas être long.
c'est quelques points que je voulais expliquer. Par contre, nous aurons une réunion avec toutes les usines minières pour que systématiquement le gouvernement respecte le code, que ces minières respectent le code. Donc, je préviens toutes les usines minières, ce ne sont pas en règle, mettez-vous en règle avant cette réunion. Je souhaite plein succès au forum. Je remercie tous qui sont venus. Mais je crois que monsieur le Premier ministre, bientôt, il faut envisager une salle beaucoup plus grande pour avoir le prochain forum, parce que beaucoup de gens sont debout. Et donc vous êtes en retard par rapport à la vision que les gens ont de la Guinée aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez faire en sorte qu'il y ait une très grande salle. Les réunions où les gens ne seront pas debout, tout le monde sera assis, surtout quand je vois des jeunes dames debout. Hein, monsieur le Premier ministre. Vous avez dit céder vos places à ces dames qui sont debout.